Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir donc la leçon numéro 9 qui portera sur l'audio. Pour commencer, n'oublions pas que l'on parle du HTML4. Donc les balises audio n'existaient pas. On avait très souvent accès à des liens permettant de récupérer des fichiers audio, web ou MP3, ou alors il suffisait de cliquer sur un lien pour accéder à une page web comprenant un fichier son. Euh, donc peut-être certaines personnes se posent la question qu'est-ce qu'un format audio donc bah, du temps du HTML4, on avait peu de formats audio. Hein. Depuis l'avènement euh, du numérique dans les années 1980, on a deux formats le WAV, donc plutôt pour Windows, et AIFF pour le Macintosh. Puis va ensuite le format MP3, qui bien sûr tout le monde connaît. Donc ici, vous voyez, je vous ai montré deux petits, euh, deux dinosaures, on va dire, hein, pour Macintosh euh, et pour le PC. Voilà. Bah, sans plus attendre, allons dans l'éditeur web. Donc euh pour l'audio, enfin, fait, il faut bien comprendre qu'on va, on va pas faire beaucoup de code. Enfin, contre, il s'avère qu'en HTML4, il n'y avait pas énormément de balises, même pas du tout de balises pour faire de l'audio. Enfin, on, on pouvait, euh, comment dire, mettre des balises différentes, mais là, avec mon logiciel validateur, euh, j'ai essayé différentes choses parce que, bien évidemment, moi, je code depuis des années en HTML5 et puis en HTML4. Euh, donc, j'ai voulu reprendre un peu l'HTML4 au niveau des balises. et Il n'y en a aucune qui sont validées par le validateur. Alors, pour pas vous dire d'ennui, je préfère. Euh, vous expliquer des choses mais différemment. Donc vous voyez ici en gris, vous avez la balise embedded euh, qui normalement supportait, euh, supportait comment dire, euh, bah, c'était supporté pour le duct type en transitionnel en 4.0.1. Ça ne marche pas au niveau de, de, de validator et l'autre balise qui était le bg sound ne marche pas non plus. Alors moi ouais, c'est vrai que quand je du HTML 4 ou même HTML 3, euh, bah, il faut bien comprendre que le son, euh, son vidéo ou même image au début était un peu rare. On va dire surtout ce qui concerne le son et euh, la vidéo. Donc très souvent ce qu'on voyait c'était un, un lien. Vous voyez par exemple ici j'ai marqué euh, par exemple vous pouvez faire euh, un lien euh, vers un site où l'on trouve des sons ou de la musique gratuite. Donc si on clique effectivement sur le lien, euh, ben, il va tout simplement ouvrir un nouvel onglet puisqu'ici on a la target blanche. Donc je clique ici et vous avez donc la musique qui s'est euh, qui a démarré. Alors si revient maintenant à ça, voilà, vous voyez j'en dirais pas plus. C'est très succinct. Cependant, je vais vous donner quand même euh, quelques liens intéressants. Par exemple, ici vous avez celui-là qui vous explique un peu d'où vient euh, l'origine du, du MP3, donc le format de compression. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent un peu de culture générale. Et un deuxième lien aussi très intéressant qui concerne euh, la conversion d'audio. Donc ici vous voyez, vous avez le ACC, le AIFF, le FLAC. Euh, donc vous avez plus que de l'audio. Vous avez aussi de la... Non, je dis une bêtise, on a bien que de l'audio, vous voyez comme quoi je les connais pas tous. Donc tout ça ici ça vous permet de voir si vous voulez convertir euh, très souvent on convertit à l'heure actuelle on convertit en OGG, en MP3 et peut-être aussi en alors en web surtout pas parce que c'est un format trop lourd. Moi je dirais euh, MP3 OGG, il y en a un troisième et je, me, je le vois pas. Je crois que c'est web quelque chose mais je l'ai plus en tête, je vous le marquerai au cas où euh, pour, euh, pour plus d'informations. Voilà, bon bah écoutez, vous voyez, je ne dirai pas plus sur l'audio parce que, étant des formats euh, bah non pris, enfin pas des formats mais des balises, la balise audio et la balise vidéo n'existant pas dans l'HTML4, elles n'existent que dans l'HTML5 que nous verrons plus tard. Je ne peux pas vous aider beaucoup à ce niveau-là. Encore une fois, le but est de vous montrer simplement euh, ce qu'on faisait avant dans le HTML4 et non ce qu'on fait maintenant. Il suffira d'attendre le prochain cours et là je vous expliquerai, vous verrez, on peut faire des superbes choses aussi avec euh, l'audio et la vidéo. Voilà, donc la prochaine vidéo portera sur la leçon numéro euh, 10, qui sera la vidéo. Donc là aussi, je pense que je vous ferai quelque chose d'assez court. Je vous montrerai par contre les différents formats qui existent ou qu'on utilisait euh, donc avant dans le HTML 4. Ce sera le même style de vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.